Chris Pinchot, pour vous, Mondo Carnaval, cette année, c'est une découverte. Oui, absolument. Avant ça, je ne connaissais pas du tout. Puis j'étais bien heureux de cette découverte-là, qui est quand même... c'était quelque chose qui m'était... ça avait échappé à mon radar, absolument. Mais oui, depuis que j'ai découvert ça, là, j'ai compris l'ampleur du projet. Il y a vraiment dans ce festival-là de tout pour tout le monde. C'est incroyable, la diversité, non seulement de pays, mais aussi de types d'activités qu'il va y avoir là-bas. Alors, moi, j'invite vraiment chaleureusement les gens à aller découvrir ça. Madame Bazer, donc vous êtes la fondatrice de Mondo Carnaval. Donc, cette année, à quoi s'attendre de l'événement? Une variété qui n'est plus à redire, hein? La variété de le vivre ensemble, la diversité culturelle. C'est notre mission ici, hein? Mondo Carnaval, il faut comprendre, ce n'est pas un simple festival, c'est l'esprit Mondo. Les gens qui viennent à notre festival viennent retrouver quelque chose d'autre, quelque chose qu'on a peut-être perdu, quelque chose qu'on a envie de découvrir. Donc, c'est un voyage à travers le monde, à travers les différentes cultures ici à Québec. Vous avez des dîners aux chandelles et l'autre est comme un chien dans les poubelles. Si c'est vrai que l'homme est un demi-dieu, la moitié du mal a triomphé. Nous avons amené toutes les années des nouveautés, des choses qui amènent les gens aussi à vouloir s'intégrer à cet esprit mondo. Donc cette année, les nouveautés, une quatrième journée qui a été rajoutée, donc le 2 septembre, l'emplacement, un nouvel emplacement. Nous sommes actuellement à Expo Cité, donc la place Béliveau et le parc de la famille. Le défilé se passera aussi sur l'ensemble d'Expo Cité. Le défilé va partir sur la rue de l'exposition, tout au bout de la rue Soumande, jusqu'au bout vers le boulevard Hamel. Donc c'est important de souligner que le défilé va se passer ici aussi. Nous avons rajouté aussi trois soirées after Mondo. Deux soirées ici au Snow, au Grand Marché, et une autre au district Saint-Joseph. Vraiment des belles découvertes pour tous les goûts, toute la famille, des animations, des spectacles de 11h à 23h. Je pense que c'est impossible que vous ne puissiez pas trouver quelque chose qui vous fera vraiment plaisir.